Salut, c'est Tommy de Mama Jo, bienvenue dans notre Studio 3. Non, aucune. En fait, comme tout groupe, on cherchait un nom et on cherchait plus une sonorité avant tout. Donc voilà, Mama Jo, ça nous a plu et on est resté là-dessus. On est sur un style musical rock, roots rock, avec des sonorités un petit peu pop. Avec moi, il y a Julien à la guitare, il y a aussi Victor à la batterie et il y a Esteban à la basse. La première étape de la composition, généralement, ça vient se passer entre Julien à la guitare et moi au chant. Des mélodies vont commencer à naître. Moi, il y a une sorte de yaourt, un chant en anglais qui vient se former. Et puis de ça se dégage une sorte d'énergie. Et là-dessus, je viens, en fonction de cette énergie-là, travailler des textes. Et ensuite, on greffe la batterie et la basse pour avoir la chanson finale. Above the Mountain, c'est une chanson qui parle d'un décès d'une personne qui est partie un peu trop tôt et de son binôme de la vie, son âme sœur qui est en quête de l'étoile d'Orion et qui va contre vents et marées essayer de chercher un peu cette chaleur en retrouvant son étoile, cette personne disparue. Voilà. Way to the top of the world, seeking your warmth.
Nos influences, elles sont diverses et variées. C'est vrai qu'avec le temps, elles bougent. On est passé de John Butler Trio à The Hives, à Red Hot Chili Peppers, peut-être Kaleo, Rival Sons. Voilà, on vient chercher beaucoup du rock anglais, du rock des États-Unis aussi. Et c'est ce qui vient teinter vraiment notre musique. Le morceau qui a changé ma vie, je pense que c'est More Than Words du groupe Extreme. C'est un album que mon papa avait à la maison, que j'ai découvert, que j'écoutais quand j'étais jeune. Et More Than Words, c'était une sorte de parenthèse dans cet album, une chanson acoustique, un petit rayon de soleil. Et en fait, ce morceau m'a un peu transporté. Je me suis dit, tiens, c'est vrai que dans le rock, on peut avoir des choses dures, violentes, mais on peut aussi rassembler d'autres publics avec ce genre de chansons, de ballades acoustiques. Voilà. Après, c'est vrai que j'aime avoir en tête qu'on a tous une sorte de bande originale de notre vie. Il n'y a pas qu'un morceau qui vient me teinter et qui a changé ma vie. Je pense qu'il y en a plusieurs. Là, si je dois parler au nom de Mama Joe, je pense qu'ils seraient tous d'accord avec moi. Ça serait Can't Stop de Red Hot Chili Peppers. C'est un morceau très bien construit. Voilà, il y a de la dynamique. Ça se rapproche de ce que nous, on aimerait faire vraiment musicalement, même si on s'en détache. Mais ouais, on est vraiment très admiratif de ce groupe et de tous les tubes qu'ils ont pu faire. Les projets pour la suite, c'est notamment la sortie de ce nouvel album, ce 7 titres qui s'appelle Orion. Et ensuite, c'est d'aller sur scène, aller partager ces chansons avec le public, parce que c'est ce qu'on aime faire le plus, c'est là où on s'amuse le plus, c'est partager les émotions avec le public, partager nos musiques avec eux aussi. Wandering Stars, c'est une chanson aussi qui fait écho aux personnes qui sont parties trop tôt. C'est pour ça qu'on a décidé de les jouer les deux, ces deux chansons qui se répondent avec Above the Mountains. Et Wandering Star parle de mon grand-père, de ma grand-mère, de toutes ces personnes qui nous sont chères, qui sont parties rejoindre les étoiles. Et voilà une sorte d'hommage. Suivez-nous, rejoignez-nous pendant des concerts. Voilà, on fait de la musique pour la partager avec vous. Donc venez, soutenez-nous sur les réseaux sociaux et voilà, consommez de la musique, même si c'est pas la nôtre, consommez de la musique. Pictures and frames, I will never.